merci à toutes et à tous, ici Sénéchal 2702. On se retrouve ici sur le DNS Tech Pack. Ça c'était F9, non? Non, toujours pas. Voilà. On se retrouve sur le DNS Tech Pack pour le deuxième volet. Ici, voilà, j'avais commencé à préparer les blocs et tout ça, vous voyez. J'ai fait un peu le débile, c'est ce que j'ai mis de du gold, et je sais pas avec quoi il s'est mélangé, ça fait de l'électrum. Attendez. Recette. Recette. Électrum. Recette. Du silver et du gold, voilà. Du silver et du gold. Alors voilà. Je mets du silver avec du gold et ça fait de l'électrum. Alors voilà. Bon, aujourd'hui on va s'occuper un peu de Tinker, hein, avec les livres et tout ça. Ils étaient où? Non. Voilà. On va commencer à s'occuper, voilà, des blocs patterns et tout ça. Alors, ce qu'il nous faut pour se faire un petit appareil qui est vraiment pas mal. Ah, si, ça va, j'ai du bois. Et par contre, le bout. Non, c'est pas ça. Je sais pas, à chaque fois, c'est trop fort le wither. On va mettre ça. Allez. À 13, normalement. Voilà, ce sera un peu mieux. Voilà. Des sticks, j'en avais beaucoup. Ouais, ils étaient là. Hop, voilà. Des petits sticks. De. Voilà, on va s'en faire 4. De Tinker, ça nous en fait 16. Ce qu'il nous faut, plusieurs tables. Voilà, hop. Voilà, ici, c'est avec juste une planche. Et ceci, ça nous donne la stencil. Ouais, ça nous donne aussi des bouquets en même temps. Qu'on va mettre ça ici. Hop. Maintenant, ouais, ça c'est la table. Il nous faut avec le bois brut. C'est hop, un bois brut. J'espère que ça ira. Ah, ouais, c'est juste la couleur qui change un peu, mais bon, sinon c'est pareil. Voilà. Ce qu'il nous faut d'autre maintenant, c'est le bras brut ou avec le chest, ça ce n'est pas si on va le faire avec une table de craft, ce qui me semblait. Hop, voilà, avec ceci bien sûr à l'envers, une tool station. On va se faire quand même avec le coffre, bien sûr, une table de craft qu'on va taper là, de Tinker, comme bien sûr, hein. Hop, hop, un coffre et un autre coffre pour ranger le bordel. On va taper là avec celui-là, voilà, et nous avons le coffre de Tinker pour ranger. Non, c'est pas celui-là, c'est celui que j'ai utilisé. Alors maintenant on va se faire, voilà, c'est pas ça que je voulais faire, c'est non plus, voilà, Tinkers, non, j'aime pas, bon, je sais pas, bon, c'était maintenant qu'on a fait le four, maintenant c'est, j'ai oublié, Tinker. Hein? Tinkers. Ah d'accord, ça s'écrit comme ça. Bon maintenant. Tinkers. Comme ceci. Ouais. Et ce serait. Je ne la vois pas. Allez. On va dire une stool station, ça veut dire. Hop. Bien sûr, il manquera un bois. Voilà, vous savez qu'on va prendre ça. Hop. Voilà, avec ceci, ça fait une tool station. Et quoi d'autre pour faire la tool forge? Stirred brick, ok. Stirred brick, j'en ai que deux. Est-ce qu'il n'y en a pas des autres? Si je me souviens bien, c'est de la cobblestone chauffée. Oui, c'est bien ça. Oui, voilà, on va vite juste faire couler encore un bloc. Je ne sais pas. On va mettre tout ça. Voilà, on va un petit peu ranger. Non, les blocs, ça j'en aurais besoin avec ceci. Les 4 blocs ainsi. Et les 3 autres. Voilà. Hop. De cire et de briques. En tout cas, j'espère que ça passe mélanger. Espérons. Hein. Alors voilà, hop, pour les explications. Ici, voilà, on va se faire ça.
Déjà pour se faire un manche, on va se faire le petit truc, j'espère qu'il y est. Comment ça s'appelle? Je pense que c'est ça, non? Non, c'est pas la hatchet. Il n'y a pas l'air d'avoir ça. Non plus, c'est pas la hatchet. Oh non, on sera même pas à le faire. Avec ce gros machin là. Voilà, c'est bord axe. C'était là. Je veux bien le nom. Tinker. On va essayer de regarder par là, mais. Et voilà, j'ai encore oublié de mettre mon chrono. Ça m'est arrivé à chaque fois. Puis je l'ai préparé et tout, il était là. On va le démarrer. Bon, je serai de plus ou moins 15 minutes ou quoi. Ouais. Searthstone. Voilà. Hop. Bon, ça a l'air de bien couler vite. Et en dessous, ici. Voilà, ici j'avais commencé à faire une cloque pour j'y arrive plus à tomber dessus. Voilà, pour que ça fasse tout le temps continu. Vous voyez, un petit truc, on met une torche, on met ça, hop, ça va activer, désactiver. Et à chaque fois, si j'ai mis mon petit bouton 36, hein, c'est bon. On va remettre le sac cobblestone. Est-ce qu'il reste combien là? Sac bloc. Si on fait ça. Je sais même pas si ça donne un bloc ou si ça. Non, c'est ce qui me semblait. Et ça, on peut pas le refaire chauffer à ça. Non, je pense pas. C'est juste pour décoration. Bah, juste là, voilà. Ah, bien sûr. Oh, si ça va, j'aurai assez. Se dire pas de faire ceci. Voilà. J'ai utilisé le bloc pourri en fait. Non, pas faire ça. Non, non. 36 ça va encore. 36 c'est pas non plus folichon. Je sais combien de. Hop. Espérons. Voilà, ça va. J'ai assez. On a assez pour faire la petite stool station. Ceci, on fait ça, on prend ceci. Bon, au départ ça coûte un peu cher, mais voilà, quand on a le matériau, ça, voilà, ça va quand même assez vite comme vous le voyez. Ah voilà, c'est sur ça. Lumber. Ah voilà, lumber axe, je pense que c'est. Lumber. J'ai pas l'air de l'avoir, mais on va essayer de le crafter. Lumber axe. Voilà. Comme vous le voyez, ici on va se crafter ça. En premier temps, ça veut dire le gros stick. Et pour faire le gros stick, déjà ici, je sais pas ce qu'il nous manque. Ouais, il nous manque ça. On va se faire ça. Hop, on se fait ceci. Le gros stick qui est là. Hop. Le gros stick, voilà. Que lui va aller là. Il nous faut ceci. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre? La nuit. La grosse croix. La grosse croix. Voilà, la grosse croix qu'elle est là. Alors maintenant, après ça, il nous faut bien faire chauffer ceci. Non, ça on va laisser. Non, ça on va retirer pour l'instant. Stock, on va taper ça dans le coffre là, comme vous avez dit. Et ceci, on va le taper ça là-dedans. Et vous allez comprendre pourquoi. Hop, on va mettre. Et là, ils nous disent 8 matériaux qui sont. Ah ouais, moi ils le disent pas, mais c'est 8 stone ou. Cobblestone, je ne sais plus. Ah, j'ai pas assez de cobblestone, ne me dites pas ça. On va vite aller en miner, on va vite manger un petit bout. Je sais pas si je pense que c'est de la stone, je ne suis pas sûr. Ouais, c'est de la stone. Ce qui me semblait bien, c'était bien de la stone. Il faudra faire chauffer. Bah, de la cobblestone, il faut faire chauffer plutôt. C'est un peu plus français. On va vite faire une petite somme. On a 4 fours. Hop.
On dit ça va être très simple, on va juste attendre que la stone chauffe. Et puis après on se retrouve après. Et re bon, nous voilà. Ça par contre à chaque fois je fais F9. Ça alors je vois là j'ai mis 19. J'en avais pas. Un peu plus. Ah si. Voilà, j'ai mes 21. Alors quand vous avez vos 21 stone, vous le mettez là. Hop, et voilà, ça vous fait un petit truc, vous changez. Ceci, vous pouvez mettre là-dedans, c'est ce qui sert. Après, il faut prendre ça, lui qui prend encore 8, voilà. Lui, il en prend 3, voilà. Et ici, il en prend 3 aussi. C'est-à-dire qu'il nous en manque une. On va récupérer ce bloc-là. Hop, on va taper une torche. On va faire chauffer. Et puis après, avec ces plaques-là, hop, ceci, on retape là-dedans. Et avec ceci, hop, vous prenez le... Ah, c'est du électrum. On va faire vite couler ça, comme ça, nous avons plus de soucis. Gold. Gold. Le liquide, il est où? Il n'y a pas l'air d'avoir le liquide. Utility. Non, c'est ça. Utility plutôt. Si normalement on fait chauffer. Non, ça c'est de mécanisme. Voilà. Utility maintenant. Avec énergie. Ouais, ça avec de la glowstone. Voilà. Il a l'air de rien avoir d'autre. Molten Energy Alloy. Ouais, l'électrum. Voilà. Tant qu'il n'y a plus de silver, c'est bon. Ce sera pas mal. Il reste combien là? 25 blocs. Voilà, ici on y a toujours le chrono. On va vite aller voir notre stone là, qui est normalement fini de chauffer. Voilà. Comme ça on va voir le truc. Hop, non. Voilà, ça là. Et voilà, nous avons notre gros stick. Voilà, comme vous voyez bien. Vous prenez par référence ici. Voilà, ça normalement ça va aller là. Ça va aller là. On va juste attendre que ça se finisse tranquillement. On va vite redéposer le bois. Bon, vous savez quoi. On tape le bois là. Hop, des blocs pattern. Les livres, on va les taper aussi. Voilà. Ici, je vous explique un peu, mais c'est juste pour un truc. Et c'est le même principe pour tout. Comme pour une épée, pour un arc. Je pense qu'on commencera à se faire un petit stuff tinker pour commencer. Ce sera bien gentil. Deux ingots. Deux ingots, hop. On va mettre ça. Le bloc là, comme ça. On va devoir faire chauffer ceci. Non, non, non. Pas faire de bêtises. Hop. Et normalement, voilà. Ceci, on va faire chauffer. Et espérons que. Quand nous aurons plus de problèmes, on va faire couler ça. J'espère que ça va pas se mélanger. Il y a l'air que non, alors ça va. Ceci, on va retaper ça là, on n'en a plus besoin. Alors, ce que vous faites, vous prenez ceci. Ouais, ça, c'est l'électrum. Est-ce que le gold? Ah, voilà, le gold il se met. Vous voyez bien une nette différence. Vous mettez ça et vous faites couler le gold sur le petit truc, et voilà. Ah, c'est bizarre là, il casse pas là. J'aurais cru qu'il casserait, mais non. Et voilà, ici vous avez votre premier truc que vous devrez avoir bien comme il faut. Hop. Ici, ah, il n'y a pas l'air. Ah, c'est du gold. Voilà. Ici, ça consomme pas mal de gold. Ça, 2800. Voilà. Ça qui est un peu ennuyant. Voilà, ici, on les récupère tous. Je pensais que ça se casserait, mais non. Voilà, ici. Espérons. Ouais, il y a le cours. Voilà, hop, on va mettre le stick. Voilà, et on va faire couler. Ceci, on n'en a plus besoin. Number axe. Voilà, ceci, on met ça là. Et voilà, après maintenant, vous prenez ceci. Ici, vous reprenez l'iron. Et vous faites couler. Ensuite, qu'est-ce que ça va servir de faire ceci, tout ça? Ah bah, ça, vous allez voir tout de suite. Hop, maintenant, on reprend ça. On met celle-là. On fait couler. Ici dans la tool station, on prend la lumber max. Hop, on met déjà le stick. Hop, le stick en métal.
faites tout en métal en fait. Voilà, ici on va reprendre, ici vous reprenez ça, barre axe, vous remettez là, hop. Je vois ici à la excavator. On essaiera de se faire tout, mais attendez. Ça j'ai fait, ça j'ai fait. La grosse croix, hop. Je n'ai pas fait. Elle a l'air que non. On va vite faire la grosse croix. Voilà, hop. La croix. Hop. Il a l'air que je l'ai. Ben ouais, je l'ai fait couler, non? Je ne sais même plus. On est déjà à 10 minutes. Ouais, 1500 aurait été. C'est celui-là qui prend le beaucoup le plus. Alors faites ça au premier. Hop. Tout l'axe. Hop. Et tadam, vous avez de votre lumber max. Et voilà, vous avez de votre lumber max. Et regardez ce que ça fait. Je ne sais pas maintenant si sur. Ouais, ici ça marche pas, mais. Sur les arbres, c'est ce que je vous parlais. Ah oui, mais juste, il y a un mode ici. Ouais, F7, par contre, ça, voilà. Ah, je pense que je l'ai fait pour rien. Ah oui, je viens de me rappeler. Bon, sinon, vous faites ceci. Quand vous n'avez pas le mode, hop, voilà, tout se casse. Tout, voilà. Ah oui, je pense. On va vite vérifier, mais. Ah, j'espère que j'ai pas fait ça pour rien. Bon, de toute façon, j'ai pas fait ça pour rien, parce que voilà. Et je pense que Alt Shift durabilité 650, usage 6, tir force 7. Oui, ça, je pense que à chaque fois que vous allez tout le temps l'utiliser, alors regardez là 1800 durabilité ou modifier name redstone FN6 durability. Je sais bien que plus que vous l'utilisez, plus qu'elle va se renforcer et tout de bazar. Si elles vont monter de level, tout de bazar ici. Mais je pense que ceci. Ah ben voilà. Ici encore en plus. Ici, maintenant ça je ne sais pas. Mais. Non, ceci, on ne sait pas mettre ça dedans. Alors voilà, c'est déjà réglé. Basta. Le bois, ça. Snowball. Oh, non, ça sera pas là. Ceci et ceci, on va planter. Comme ça nous fera une pousse. Pousse d'arbre, voilà. De fait. Ceci, on va récupérer. Ceci, on va taper ça là-dedans. Alors voilà, bon, il y a certains trucs que vous pouvez réutiliser comme lingot, le gros stick, ça, non, parce que ça sert qu'à une chose. Et encore, ça, je pense que ça sert aussi plusieurs fois. Il y a le large plate qui vous servira beaucoup. Hop, ça, on va aller taper ça. Adjao, hop, ça se mange. Non, ça se mange pas, alors hop, voilà. Et voilà, qu'on a commencé déjà à faire ça, mais je pense que voilà. Mais quand vous n'avez pas le mode là pour couper les arbres en un seul coup, et vous faites la Iron Lumber Axe et ça coupe directement. Ah ouais, mais. Elle disparaît. Ouais, pousse là, voilà, hop, et voilà. Bon, je pense que maintenant on va vite se faire l'arc, là, comme je vous avais dit. On va commencer un petit peu à stuffer en conséquence. Boom. Et le bow, on va. Ah, de toute façon, je connais un peu la recette. Alors, déjà pour le bow, si vous voulez vous le faire, voilà, il y a l'arbalète, il y a le bow là, et on va faire ce bow là. Ah, oui, il faut des strings. Oh, espérons qu'on a des strings. Il nous en faut 3, si je m'en souviens bien. On a déjà une flèche. C'est déjà pas mal, non? Nous avons pas de string. Faudra tuer des araignées. Oh, vous savez quoi? Au pire, on va se faire une sword. Sword. Ah, j'espère qu'il est 10 string. Mais de toute façon, ça nous sert pas à grand chose là. Il y a la sword là, sword là. La hammer. Ça meurt, ouais. Lumber axe, avec Skyncy. Cleaver. Battle Axe, le bow, crossbow. Il nous faut quand même le gros truc là. Ça, je ne sais pas. Bolt, ah, ça a l'air d'être. Ah, ça, c'est les shuriken, je pense. Oh, il y a tout, hein. Il y a les flèches, voilà, il y a les flèches. Il y a les lances. Oh, on va se faire sur une épée. Ici, si, c'est une Swordblade, Whiteguard et Adle. Vous allez le faire.
Et voilà, on va se la faire en iron. Hop, ou soit, qu'est-ce qui est plus dur que l'iron? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas encore vraiment les tous les trucs, mais je me renseignerai sûrement. Hop, ouais, ceci aussi. Je savais qu'il m'en manquait. Alors, on fait toujours le même principe. Hein. Hop, on prend le truc là. Ça veut dire déjà ici, au Sword Blade. On va ici, on cherche Swordblade. Pour ça, il nous faut les blancs pas de terre. Comme là, qui vont tout le temps rester là. Voilà, ici, Knifblade, pas de terre. Knif, non, je pense pas que c'est Knif. Non, c'est Sword. Sword, voilà. Après Sword, c'est. C'est quoi? C'est Idol Guardian. Level 1, gardienne. Et puis après c'est le Handle. Tool Raid, Handle, c'est pas là. Crossbow, Snookin, non. Handle, ça c'est toutes les guerres, toutes les épées. Bah, ça c'est la pickaxe, tool. Attendez. Tac tac tac, je regardais le dessin. Handle. C'est ça? Handle. Non. C'est quoi? Chisel, non. Ça a l'air d'être ça, non? Tool Road. ALDH. Non. Non. Non, ça c'est pour la pelle, lâche, la houe. Excavator. Ouais, ça c'est la pressure plate. Ça c'est le punt. Pitbull. Chisel. Knif. Sword. Large. Crossbow. Hein. Oh non. Flicting, bobine. Bonne question. Ah, ou ça, ça. Ah, je pense que ça stick normal. Si on regarde Handle, je pense. Hein. Bref. Handle. Ah, bah voilà, c'est 3 iron. Ah non, c'est row Handle. Hand. Là, il finit. Back Hand. Peut-être essayer avec ça, Iron. Je ne sais pas si c'est ça. Je découvre en même temps que vous. Pour l'épée, je l'ai jamais fait. Hop, on va la chauffer et on va voir, on va tester. Et puis après, je pense qu'on se laissera là-dessus. Un raffinette, ouais, pourquoi pas. Comme ça, on sera tranquille directement. Bon, ici, je pense qu'elle durera 25 minutes à peu près. Ouais. Voilà. Oh, de toute façon, je pense qu'au prochain épisode, on laissera un peu Tinker de côté. Et on s'occupera un peu de machine. Oh, ouf, t'es. Pète la plomb là, lui. Maintenant, est-ce que lui rentre dedans? Ah, il a l'air de rentrer dedans déjà. Ça veut dire déjà qu'il faut mettre ça dans là-dedans. Voilà. Est-ce que 6,5. Là-dessus. Ouais, il faut d'abord se le faire en pierre. Et bien sûr, de la stone, j'en ai plus. Bonne. Ah, problème, problème. Ça va prendre quelques-unes. Une vingtaine à peu près. Je crois que une petite ellipse, le temps que ça cuise. Je suis désolé, mais j'ai pas vraiment pensé à ça non plus. Je suis plus dans le l'obscurité, si je peux être poli. Je suis un peu crevé et tout ça. Alors voilà. Non, celle-là. Hop. Franchement, que je me fasse la machine, moi. Voilà, hop. On va vite faire cuire ça comme ceci. Hop, hop, hop. Wow, de toute façon, il m'en faut quelques-unes.
Ça veut dire c'est sain, puis sain. Ah, il me faut quelques-unes avec 1,5 et tout ça. Je pense que ça ira un peu. Lui c'est 1. Ouf, c'est facile, voilà. Hop, et lui c'est 1,5. Avec la charde. Après, est-ce que. Ouf, plus tellement d'iron. De toute façon, c'est en gold qu'on va le faire. De toute façon, après, on aura tous les trucs. On sera petit. Après, maintenant, c'est l'épée. Hop, ceci. On peut mettre ça là-dedans avec la charde. Hop, ceci. On peut laisser ça là. On remet l'iron. On fait couler. L'iron, on va le taper là. Ceci, on va le laisser ça là. Ça, on en a plus besoin. Ceci, on met ça là, ça on laisse ça là. Hop, on a déjà ça. Hop. Hop. Ben maintenant. Ah, oh, mais ça on n'en a pas besoin. Hop. Maintenant. Ah, oh, c'est toujours de l'iron. Oh, ça ne donne pas beaucoup. Hop, maintenant. Ça met de l'iron. Oh, j'en ai fait deux. Tant pis, c'est pas grave. Hop, sword. Ceci, ceci, et ceci. Je comprends pas là. Il faut peut-être le hammer ou quoi, non? Pourquoi il ne veut pas? Peut-être un stick normal, je ne sais pas. Peut-être ça. On teste. Ceci, hop. Ah, bah voilà. Reinforce 1, attaque IR 3, et voilà, hop, voilà, on a notre épée de Tinker, et maintenant on pourra se le laisser. On commencera à faire, je pense que je me ferai en off, hein. Comme ici, celle-là, on peut même la bazarder, parce que celle-là, on pourra la réparer en off. Off, moi je pourrais la réparer. De toute façon, on peut jeter tout. Comme ceci, ceci pour regarder. Ça là. Je vais rechercher quelques minerais. Stone Sword, off. Ah, ok. On va quand même le garder, les petits outils comme ça. On va les garder au cas où. Oula. Hop, on va les garder bien précieusement là-dedans. Il fait quoi? Oh, il va bientôt faire nuit. On va vite chercher après un mop. Parce que là, je pense qu'il dit durabilité 300, effectif durabilité. Il y a un truc là, durabilité 250. Il y a un truc chez Beck. Quand on l'utilise, il y a un truc qui se passe. Ah, tout ça. On va vite aller chercher après un map. Chez Beck, j'ai entendu du zombie tantôt. Oula, c'est pas grave, c'est le torchon en moi. C'est de trouver du map. Ah, j'ai pas vu ça. C'est pour ça que je viens de le récolter après. Là, il n'y a rien. Voilà. J'en vais juste trouver un mob. Et puis après, on se laissera sur ce petit mob qu'on aura tué. Mais il y a l'air que non. Hop. Et si je dis pas de bêtises, j'aurais si. Hop. Il y a encore beaucoup de choses qu'on va. Oh, là, il y a de l'iron. Hop, ici là. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Oula. Pas l'air d'avoir de mob. Je pense que pour la prochaine fois, on ira peut-être quand on sera bien stuff et tout ça. Bien stuff et tout ça, ben, je pense qu'on ira voir le Nether. Pour voir un peu et un peu se fighter, voir les nouveautés et tout ça. Parce que ça fait quand même longtemps que je n'ai plus joué au Dynastech Pack et il y a eu beaucoup de mises à jour et tout ça. Ah. Allô, voilà. Bon, on va vite aller. Non, il n'y a rien. Là, il doit sûrement faire nuit. On va vite rentrer et on se laissera là-dessus. On cherchera un petit map. On le défoncera. C'est quoi ça? Slide off. Et oui, je pense qu'on ira d'abord dans le Nether, puis après, on commencera les machines.
de mécanisme, ouais, je me gourre pas, ouais, c'est bien mécanisme. On commencera à faire les éoliennes. Il y a plusieurs trucs qu'on se fera, hein, je vous dis déjà, ça va pas être une série, peut-être. Et on fera aussi notre base. Hein, oula, les cours. Pourtant, j'ai de la saturation. C'est par là. Bon, au passage, on va prendre déjà de la lave aussi pour Tinker. Voilà. Comme ça, c'est fait, ça. Hop, hop. Voilà. On va remonter. Ouais, ça fait déjà 25 minutes. Ça fait... Bon, aujourd'hui, ce sera une grosse vidéo d'une demi-heure. Il commence à faire nuit et on va attaquer quelques monstres pour voir si normalement. Eating 3. Je pense qu'il y a un truc ici avec le. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le. Je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Je retrouverai le truc. Ici, on fait une petite vidéo découverte sur le DNS. Oh, bah, qu'est-ce que je suis bête, moi. Je cherche après des monstres, mais il y a des vaches partout. Oh là là, t'es. Ouh, qu'une beau chapeau. On va vite attaquer plusieurs, quelques petites vaches. Voilà, oh oui, il y en a bladé. Est-ce que ça a changé quelque chose? Gravity. 300. C'est quoi? Pourquoi il y a de la lumière ici? Hein? Bon, ça a pas l'air de changer. Je sais même pas si le DNS là l'a mis. Bon, comme ça au minimum ça me fera de la viande. Il a l'air que non. Oula, il y a un truc bleu là, non? Ou c'est moi qui rêve? 280. Ah, votre durabilité modifieur. Ah, voilà, c'est des modifieurs. Peut-être je vais retaper un. Ouf, tu le lag. Non, il a l'air que non. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On découvre les mobs gentiment. Tranquillement. Yep. Maintenant, c'est faut voir si c'est pas. Oufti, tous les mobs. Alors voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à petit comment à laisser un petit commentaire, un petit j'aime et à partager tout ça, tout ce qui s'ensuit quoi. Ça, on va récupérer et on va remettre là-dedans. Voilà. Tranquillement. On avance, je pense que je me ferai en off tout le stuff. On sera peut-être les canisters aussi, on essaiera de trouver des canisters et tout ça. Pour avoir des cœurs en plus, on essaiera aussi de se faire les petites ailes magiques. Hop, on se prend quelques niveaux. Ouh, voilà. Bon, et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors voilà, allez. Tchou les os.